Alors, Becky? Les chats sont peu nombreux et les chiens encore moins ces jours-ci à la SPCA de la Côte-Nord, à cette île. C'est que l'organisme connaît depuis quelques mois une demande sans précédent pour l'adoption de compagnons à quatre pattes. Au début 2020, un chien mis en adoption pouvait attendre un mois pour trouver un propriétaire. Aujourd'hui, dès qu'un nouvel animal est annoncé sur la page Facebook de l'organisme, les clients intéressés affluent en quelques minutes à peine. Le confinement ne serait pas étranger au phénomène, selon la directrice générale de l'endroit. Ce qu'on constate comme tendance, c'est vraiment une augmentation de la demande, ce qui est le plus important. Ensuite de ça, les gens sont plus informés aussi. La tendance, où est-ce que les gens, quand ils nous contactent, ils vont nous poser plus de questions, sont plus informés. Puis, en même temps, les gens sont disponibles à la maison, donc ils veulent prévoir que le temps disponible à la maison fait en conséquence qu'ils vont avoir la capacité d'éduquer l'animal. La SPCA a aussi beaucoup plus de facilité à trouver des familles adoptives pour les chats adultes. Madame Dionne craint cependant que la vague d'adoption ne laisse ensuite place à une vague d'abandon d'animaux. En tant que directrice de refuge, puis je crois qu'on est, je suis pas la seule, on a toujours un arrière-pensée qui stipule que potentiellement on va avoir des troubles de comportement, des attitudes de gens qui se sont pas bien informés lors de l'adoption, qui vont réabandonner. Pour faire face à cette éventualité, la directrice générale veut garder des places et des ressources en réserve au cas où le nombre de pensionnaires recommence soudainement à augmenter. Ici Javanna Belterton, Radio-Canada, Sept-Îles. Ici Côte-Nord.